Je m'intéresse à un tas de choses. La nature, la science, l'économie. La connaissance est importante. Elle peut changer la vie. En tout cas, elle a changé ma vie. Aujourd'hui, il y a une formation des formateurs dans l'académie. Le voyage s'est bien passé? Oui, il n'y a pas de problème. C'est la famille. Oui, elle se porte bien. On va apprendre l'importance de l'ombrage pour les jeunes cacaoyers. Le jeune cacaoyer, il a besoin d'être sous ombrage pour bien se développer, pour atteindre la taille de 1,5 m, 2 mètres avant de former sa couronne. Nous sommes formés par Barry Calbo à ces techniques modernes dans le centre d'excellence à Pacobo. C'est l'endroit où Barry Calbo met en œuvre les innovations pour les expérimenter. Donc voilà un peu comment le système va fonctionner. Ça veut dire que vous êtes très important pour mettre en œuvre la formation des planteurs. Ici aussi, les académies aussi sont très importantes, comme celui dans lequel on se trouve, pour que les planteurs bénéficient d'une formation qui est proche de chez eux. À notre tour, nous partageons tout ce que nous savons avec les planteurs au champ école. Maintenant, je rends visite aux vieux du village. Je leur ai appris ce que je savais sur la culture du cacao. Bien sûr, ils avaient des doutes au début. Après, ils ont suivi les conseils et ça a marché. Je connais le cacao. Oui. De façon, il a failli. Il a failli. Le cacao, quand on met le mieux, quand il partage. Cela me rend heureux de voir que mes parents s'en sortent bien. Le travail est bien fait. La plantation est en bonne santé. La qualité du cacao s'est améliorée. Pas seulement pour mes parents, mais pour tout le village. Voici les jeunes cacaoyers du vieux. Il les a plantés il y a quelques mois, comme je le lui avais dit. Ils sont en train de bien pousser. Il dit que c'est le revenu pour demain. Je pense que c'est fantastique. Ce que je lis et ce que j'apprends, c'est ce que je sais. Et ce que je sais, je peux le partager. C'est ma manière de dire merci aux parents. Je ne cesse pas d'apprendre. Il faut tout le temps se recycler.